amis, petite parenthèse que j'ai à vous donner, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car vous allez avoir une surprise. Les amis, si vous allez bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube les amis. Aujourd'hui on va finir la partie Pokémon Deck de déballage que je devais faire depuis hier. Donc hier, comme promis les amis, je vous avais fait le déballage de ce petit coffret là. Du coup aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la suite. Car en fait hier soir j'avais déballé un autre deck de Dragofeu. Et parce qu'en fait mon pote il voulait absolument le voir et moi je lui dis attends bah vas-y attends un petit peu non. Donc du coup il a bien d'avoir première le deck. Et aujourd'hui les amis je voulais vous montrer le petit album que je me suis pris pour ranger toutes les cartes de Pokémon pour ma petite collection. Donc là voici. Donc là vous pouvez le voir, j'ai ma petite collection qui commence à bien se faire. Et vous avez ensuite la suite en fait hein. Donc ça c'est les decks que je me suis pris. Après, voici ce que j'ai pris dans le deck de Dragofeu, donc qui se trouve juste ici. Donc là, vous avez le petit pack de Dragofeu que je me suis pris. Et vous avez le paquet de cartes. En fait, celui-là, j'ai laissé les dresseurs et les petits boosts, ou comment dire boosts, les petites packs énergie. Et j'ai tout bien classé dans mon classeur qui se trouve là. Donc là, nous avons les cartes qui sont commencées pour le nouveau pack. Donc dans le nouveau pack, je vais dire, il y avait Rimptincelle, celui-ci en fait. Il y avait celui-là, il y avait Salamèche, Yama, Simulabre, Limania. Nous avons eu ce petit Pokémon-là que j'arrive pas à prononcer. Après, en fait, c'était des Pokémon qui se répétaient à la suite, en fait, c'était les mêmes choses. Et après, nous avons eu celui-là aussi qui s'appelle Volcaropod. Donc, c'est le petit truc que j'ai reçu en plus. Et en fait, ça se répète, en fait. Et j'ai reçu un Pokémon dont je vais vous montrer, qui brille, en fait. C'est celui-là, c'est Dracaufeu. Donc, vous voyez qu'il y a un petit effet... pas mal. Et en fait j'ai reçu ça sur la couverture du paquet. Et ensuite j'ai reçu ça dans le paquet. Donc j'en ai deux, qui est pas mal du tout. Et j'ai reçu une carte de base Lugia qui était dans le pack de Dracaufeu, celui-là. Donc les amis, voilà, donc là pour le petit classeur que je voulais vous montrer. Donc c'était un petit peu répétitif. Donc je sais que maintenant il faut pas acheter les packs deck, il faut acheter directement les boosters, donc je le savais pas, maintenant je le sais. Donc on va tout remettre en place en haut. Et aujourd'hui les amis, je voulais vous faire déballer le dernier deck avant de passer vraiment au booster, parce que j'ai acheté un pack booster qui se trouve juste ici, avec un maximum de pouces bleus et un maximum d'abonnements. Voilà, on va pouvoir vous faire déballer ça. Donc aujourd'hui, je sais pas si encore regardé dans les magasins, c'est arrivé au niveau des boosters et des pokéballs. Il y a plein de trucs de vous amis, pour qu'on arrive enfin à acheter beaucoup de packs boosters. Donc je vous demande aujourd'hui de m'aider à arriver aux 1000 abonnés, comme ça je suis un petit peu payé par YouTube, et pour que voilà, je puisse investir l'argent que je fais avec vous en vidéo, et grâce à vous les amis, pour pouvoir acheter les petits packs Pokémon. Donc voilà, donc aujourd'hui on va le déballer celui-là. Donc les amis, je préférais me montrer directement et vous montrer les cartes en fonction de ce que c'est. Donc aujourd'hui nous avons ce petit pack là, avec à l'intérieur, donc basique, hein, ce que nous avons d'habitude de faire comme hier. Donc nous avons la petite pièce, et après, donc, je vais l'enlever, je vais vous montrer. Donc aujourd'hui, on a ce petit Pokémon là, qui s'appelle Palartichaut qui s'appelle. En fait, avant j'avais un Pokémon que j'ai vu dans un dessin animé, qui s'appelle Artichaut, donc ça doit être pareil, la même chose. Après, nous avons la petite carte que vous pouvez prendre pour vous, les amis, c'est pour vous, donc moi je l'utilise pas, donc c'est ça, c'est pour vous les amis. Après, nous avons la petite boîte qui trouve avec plein de cartes. Nous avons le petit jeton de Palartichaut, qui s'appelle comme ça. Donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, les amis, si je prononce mal. Ou bien essayer de me faire bien comprendre ce que ça veut dire. Nous avons ensuite un petit jeu de questions, je pense. Nous avons la petite carte, le petit fascicule au niveau des Pokémon. Donc ça, franchement... n'utilise pas. Et ça les amis, dites moi dans les commentaires, c'est quoi ça, ça sert à quoi? Je pense que c'est pour le jeu. Après nous avons le petit livre pour jouer. Donc après à l'intérieur c'est la description d'une carte, qu'est-ce qu'une carte, les étapes pour jouer en fait. Ah c'est pas mal, j'avais pas regardé ça hier. Donc voilà, après nous avons le petit app de jeu, donc qui nous montre, je vais vous montrer parce que hier je vais bien vous montrer.
qui nous montre le skin, le petit artichaut là, ça. Et on a de l'autre côté celui-là. Donc il y a les deux. Donc voilà les amis. Donc attendez, je vais mettre ça de côté parce que il faut faire un peu de place, que mon bureau il est pas très grand. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté pour l'instant. Les petites cartes, on va les laisser là sur la table. Donc les amis, je fais une petite coupure, comme ça je vous montre sur la table ce qu'on fait. Donc les amis, voilà. Donc les amis, on continue le petit déballage. Donc nous avons les petites cartes qu'on va mettre de côté ici. Bon, j'espère que vous avez assez de lumière. Bon, là j'ai mis la lumière au maximum que je pouvais le mettre. Du coup, le petit pack s'il trouve ici, Paul Artichaut. Donc, je crois que c'est écrit comme Paul Artichaut. Bah c'était bien ça, hein, de Galard. Du coup les amis, on enlève tout ça, le petit truc. Donc les amis, voilà le jeu de cartes. Donc nous avons une énergie, je sais pas, en fait je parle déjà que les énergies, du coup ça je crois que c'est de la force, hein, je crois, énergie de la force. Donc on va le mettre, le clavier bouge un petit peu là. Donc encore énergie de la force, une énergie de la force, une énergie de la force, je crois que c'est ça. Nous avons le dresseur Travis. Ah, une belle carte, franchement, une belle carte, niveau 150, je veux dire le truc de 150, donc triple carte, donc c'est pas mal, le niveau 1, une carte énergie, en fait, voilà. Donc nous avons une recarte Paul Artichaut, pas mal, les dresseurs, la carte énergie, franchement, il y avait beaucoup de cartes énergie. Quatermark, Hippopotas, ils ont des noms un peu bizarres je trouve. Donc les dresseurs, Canartichaut, je crois que c'était celui-là que j'avais vu dans le dessin animé, c'était Canartichaut. Nous avons Canartichaut, dresseur attrape Pokémon, énergie de la force, Super Ball, ornithologue, Dolman, il est... ouais, d'accord, ça c'est un Pokémon, ça, de pire, d'accord. Nous avons le petit Pokémon Topiqueur, comme un marteau piqueur, hein. Je pense que c'est ça, hein. Donc, c'est, ils font allusion à ça. Carte énergie, Nabil le dresseur, trois piqueurs, donc je crois que c'est les trois. Il y en avait un là-dessus, du coup là, nous avons trois. Alors, celui-là, on l'avait déjà eu, j'ai déjà eu dans le pack précédent. Une carte énergie, trois piqueurs encore, Sonia, dresseur, carte énergie, Travis, échange, encore qu'un artichaut, dresseur recherche professoral, d'accord. Une carte énergie, encore le petit Hippopotas, Nabil dresseur, Hippodocus, échange, Dolman. Donc en fait, il n'y a que ça en fait. Hein. Ah, celui-là, on l'avait pas encore eu. J'ai eu dans les packs précédents, mais dans celui-là, je l'avais pas eu. Fortifiant Turbo, carte énergie, attrape Pokémon, ça, on l'a eu tout à l'heure. Quatermark, carte énergie, Super Ball, énergie. Oh, je crois qu'on a trois comme ça. On en a trois. Une carte. Une carte comme ça, une carte comme ça, une carte comme ça, une carte comme ça. En fait, c'est la même chose en fait. Franchement, c'est la même chose. Donc, les amis, voilà. Donc, on a encore une. Enfin, je crois qu'on a trois exemplaires de chaque en fait. Donc, on a trois exemplaires. Bon, je remettrai dans l'ordre après. Donc, là, c'est pour remettre bien les cartes en fait. Voilà. Donc, les amis, ceci pour la vidéo de faire les petites cartes comme ça. Donc, c'est pas mal. Franchement, je savais pas qu'il fallait pas acheter les decks, donc maintenant je sais que les decks, c'est pas les cartes à acheter pour avoir des cartes rares et tout ça. Donc là, en fait, derrière moi, je vais vous montrer ça. Donc, les amis, voici le pack booster que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo. Donc, comme ça, vous avez déjà un petit avant-première. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que je vais vous montrer pour la prochaine vidéo, les amis. Donc, les amis, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, lâchez votre plus beau pouce bleu, les amis. Commentez. Partagez la vidéo et abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos pour moi, comme ça je peux les réaliser pour vous. Par exemple, il y a ma soeur là qui m'a texté dans la vidéo tout à l'heure, qui m'a dit c'est une vidéo que je pourrais faire. Et les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis. Ciao, ciao.